Tu t'emmènes! Par l'objectif, on le connaît, il a pas changé. Depuis Brotherhood ni Revelations, effectivement. Allez, bonjour tout le monde, c'est Leti Stamen. Salut à tous. On se retrouve pour une pays imprévue, mais elle me titille, tu vois, j'avais envie de la faire quand même, cette pays sur le multi de Assassin's Creed 3, parce que bon, après avoir fait la Hour 45 du solo, je me suis dit, bon, on va s'amuser un petit peu en multi. Attention, ça arrive. Non, mais ça nous titille absolument de... Voilà, vous savez que nous on est très fans du multi quand même depuis l'aventure de Chitamen. Quand on fera le bilan, on pourra dire quand même que du début à la fin on aura eu le multi Assassin's Creed. On aura couvert la franchise Assassin, c'est clair que tout avec le solo ou le multi de Brotherhood et puis de Revelation de l'année dernière, puis on a fait un défi en cette début de troisième saison 3. On vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu, magnifique. Ça joue très bien. De toute façon, c'est la fille là, c'est elle. Elle croyait quoi? Juste le match à mort, le prêcheur. Je suis content parce que c'est un prêtre le mec qu'on a, donc c'est cool. Donc je vais m'asseoir un petit peu, on va vous présenter. Donc voilà. On est en mode deathmatch, donc un mode qui avait été apporté par Revelations. Exactement. Nous sommes dans le quartier nord de Boston, ou... Attendez. Le port de Boston, non, le nord de Boston. Le nord de Boston, il n'y a pas les bateaux. Pardon, mais il y a deux cartes à Boston. Nouveauté qu'on peut constater tout de suite, il pleut. Oui, dans le multi de ce Assassin's Creed 3, il y a la météo évolutive. C'est un énorme. Petit peu comme dans GTA 5, dans le Gran Turismo 5. Oui. C'est-à-dire que tu peux choisir configurer au début de ta course hein, si tu veux qu'il fasse soleil, pleut, tout ça. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous allez voir, on va avoir des ondées comme ça. Là. Entre... Mais. Viens là. Ah, il l'a saigné. Oula, il a disparu. Oula, il y a un lag. Il y a un petit lag. Oula. Bon, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est pas parce que le jeu il est pas sorti encore ou quoi que ce soit. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. On l'avait jamais vu. Nous nous enregistrons, nous sommes lundi, voilà. Le jeu sort mercredi, donc il n'y a pas grand monde en ligne, mais là nous sommes 6, dont des gros no life, parce que je vais aller 40, niveau 42, niveau 13, moi je suis niveau 11. Niveau 11, je l'ai fait avec mon skill légendaire, vous le savez, en moins de 2 heures. En 2-3, donc ça rock sort sévère, regardez. C'est elle. Hop, j'attends avec mon prêtre comme ça, et là, hop, j'ai mis un coup de Bible dans la tête et elle m'a mangé les hosties par le derrière. Le crucifix a tout fait va bien. Œuvre, hein. Donc, moi, ce multi me fait trop plaisir. Pourquoi? Parce que c'est pas une pâle copie de Brotherhood ni des Revelations. On a 8 nouvelles cartes, dont là, 2 à Boston, 1 à New York, 1 le passage, donc c'est dans le grand froid avec des bateaux échoués dans la glace, dans les glaciers. Une dans l'Animus, donc en fait c'est l'Animus qui bug comme on avait vu un petit peu dans la Hour One avec Londres là. Et en fait il y a une partie qui est dans l'Animus et une partie qui est dans Boston parce que je l'ai faite pour m'entraîner. Et ensuite il y a quoi? Il y a les plantations de la Virginie. Très bien, c'est avec la maison du gouverneur un peu. Et puis, voilà. La caserne de Fort Walcott. Le Fort Walcott. Donc exactement. 8 cartes, je crois que c'est 6 ou 7 ou 8. En tout cas, moi je trouve qu'elles sont toutes fraîches, elles sont toutes bien. Il n'y a pas de Venise, de Rome, elles ça. Même si elles sont magnifiques, là elles sont fraîches. Non mais viens là, je trouve qu'elles sont grandes et elles sont, je trouve, très bien designées. C'est-à-dire qu'il y a une partie comme là, c'est qu'il y aura une cour à même le dénivelé est là. C'est-à-dire qu'il y a une partie un peu. Attention, il y a des routes de trucs, c'est bon, magnifique. Oui, vous voulez aller. Et là, je le tente. Il y a un bonus de variété. Voilà, je l'ai tenté. Pour tes péchés. Là, tu fais. Bon, Charlene Gals, il coupe du bois, mais ça marche. Oh, putain, me tuer. Faudrait lui. Oh, magnifique. Oh là là, regardez, level 12 en direct et tout. Et là, c'est fait. Monster il faudrait lui affûter sa hache à notre ami parce qu'il tape, mais ça ne marche au point. Ça m'a envie de donner après, donc je l'achève. Attention. C'est la police, cette wiki, cette pays. Oh là là. C'est là ça là. Qui est bon avec ce multi d'Assassin's Creed. Et là, mais là, il est protégé, il a mis son jean de cowboy. Alors qu'on est aux États-Unis. Vous n'êtes dans ACR, dans ACB. Parle-nous des nouveautés après les 8 nouvelles cartes et la météo évolutive. On voit qu'il ne peut plus. À gauche, il y a une troisième touche. Et oui, une troisième capacité, effectivement. Assassin's Creed 3 dit troisième capacité que j'attendais depuis longtemps puisque. J'avais pesté contre Revelations qui, j'avais dit à mon goût, n'apporte pas assez de nouveautés dans le multi puisque finalement, outre le fait de pouvoir contester les kills, on ne pouvait pas avoir une autre troisième capacité. Ubisoft m'a entendu évidemment. Ça
c'est un leurre. Putain, j'étais sûr que c'était un leurre. C'était trop kigoulol ça, donc pour l'appel, je vais lui jeter des pièces à la mendiante. Voilà, mais elle m'humilie. Tu m'as quand même demandé. Allez, je suis premier, donc il y a 3 personnes qui veulent m'attraper, donc voilà. Elle m'a tué. Oh, elle t'a sauvé. Lui, il arrive. Regardez lui. Ah, lui là, quand il arrive. Je tente. Couteau, jette 30, couteau. Ah non. Mort honorable. Mort honorable. Et mon renard n'est plus rond pour humilier, c'est carré. Donc là, je remercie Ubisoft parce que c'est fini une équipe coulole où dès que tu vois rond, tu fais rond. Voilà. Hein. Maintenant, c'est la pression carré, c'est pour tout le monde. Les PNJ ou les ennemis. Voilà. Attaque, défense, c'est le même bouton. Comme ça, du coup, ça apporte cette petite nuance de difficulté, cette petite nuance où est-ce que t'appuies ou pas, tu vois, genre, il y a la pression. La pression est revenue. J'ai l'impression que avec ce multi là, le côté hardcore va revenir, tu vois. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de skills hein, sur ce multi. Trouve que finalement on a atteint, je crois que c'est le skin de l'édition Join or Die, il me semble bien. C'est possible. Hein. En tout cas, ce qui me plaît dans ce multi, dans ce qu'on en a vu pour l'instant, les premières impressions, c'est que on serait à une synthèse entre Brotherhood et Revelation. C'est le côté hardcore de Brotherhood. Et le fait de pouvoir contester les kills et de bien se défendre comme dans Revelations. Mais ils ont mis un côté hardcore à ça, naturellement, comme tu l'as dit, la touche carrée. Donc en fait, avant, contrairement concrètement pour ceux qui ne sauraient pas, quand on était poursuivi et que là, la personne allait nous attaquer, il y avait je voyais un gros rond là. Là, j'ai pas vu de rond. Voilà. J'ai vu un carré et comme il y avait un espèce de laps de temps un peu QTE style, c'est-à-dire que même pas une seconde pour appuyer. Voilà. Sinon, elle me tue. C'est ça. Sans que tu le contestes en fait. Elle a tué, mais elle a planté l'âge. Dans le cul, voilà, c'est fait. Merde, j'aurais pu changer ma classe parce que j'ai XP pour changer ma classe. Ouais, mais super, on va le montrer. Donc voilà. Toujours, bien évidemment, ta cible en haut à droite, hein, notre ami X4RLI3_86. Non, tue-le. Pourquoi il veut pas le tuer? Mais si, c'est lui, je te jure. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça va pas le tuer? Viens là, j'ai un infidèle. Non, ça ne veut pas. Et il peut pas m'humilier aussi? Il y a un gros bug. Il y a un gros bug. Ouais, mais attendez, j'attends. Qu'est-ce qui se passe je ici? Je peux plus rien faire. Il sait que c'est moi. Mais il peut rien faire aussi. On peut plus rien faire. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Viens là! Mais c'est lui pourtant, il me semble. Viens, pourquoi on tasse, tu vois? Et si. Donc voilà, il y a toujours une demande, la jauge. Non, me le vole pas! Là, ça bug. Là, ça bug, mais c'est pas lui apparemment. Mais si, c'était lui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce jeu? Il bug ou quoi? Il glitch? Donc on voit un glitch en direct là, il se passe quelque chose. Voilà, restez en vie 60 secondes. Bon, le deathmatch, c'est plus que c'était, hein, ça ne marche pas. Elle veut me tuer, mais elle me voit pas. Lui aussi, il veut me tuer. Ouh là là, c'est. Il y a un bordel dans le jeu là. Non mais il y a un bordel, il y a un problème. Mais c'est pas lui que je veux tuer, c'est lui. C'est lui, je l'ai vu, allez. C'est lui. Et vas-y, viens me foutre sur la gueule. Donc c'est ça qui est bon, c'est un petit peu ce côté brouillon aussi par moment dans le multi qui apporte son charme hein. Côté enchaînement qui fait massacre comme ça, elle dit, elle tue tout le monde. Donc voilà, la fiche à droite n'a pas changé, c'est-à-dire que la jauge de téméraire à discret de base puis silencieux. Si l'interface puis genre elle a été un petit peu revue, je trouve que le design n'est pas trop mal avec sa photo comme ça ou son cadre, voilà, il est quand je le vois. C'était la même chose dans Revelation, même les jauges ont été conservées effectivement. C'est-à-dire qu'on commence toujours à discret et il faut le pourchasser. Et en fait, la jauge n'augmente vers le silencieux que quand on le voit, évidemment. Hop là, donc là, tu as tué un Justin Bieber innocent. Voilà. Allez, ma cible était entre parenthèses. Et là, elle t'humilie. Tu vois, j'ai pas perdu ma cible. D'accord. J'ai remarqué ça tout à l'heure. Je ne perdais pas ma cible. Elle est mis entre parenthèses. Tu vois. D'accord, mais pendant donc c'est pour ça que tout à l'heure, comment dire, j'ai leurré quelqu'un. Ouais. Il avait quand même gardé moi en c'est cible. Ça. D'accord, c'est pour ça. Alors attends, faut que je change. Au niveau de la sélection des profils, voilà, on voit. Puis au niveau de l'image en haut à gauche, ça a été très épuré, très cheap un peu même. Ouais, les nouveautés, nous avons le score. Voilà, effectivement, grande nouveauté. Très important d'avoir le score avant, on avait que le classement. Oula, effectivement. Ça saute là. Ça fait plaisir d'avoir le score. Viens la femelle. C'est pas lui. Hein. Si, c'est elle. Bah, tu vois pas, donc c'est pas possible, tu ne vois pas. Attends. Là, c'est elle, par contre, c'est elle. C'est elle à droite. Là. C'est elle. T'es sûr? Voilà, okay, c'est elle. Et là, elle va me flinguer. Hop là. Ah, c'est bon. Ouais, donc on dirait pas. Alors lui, voilà. Red Dead Revolver, il m'a mis un coup de 12. Exactement. Et il m'a transpercé avec sa baïonnette. Ah, ils aiment pas trop les prêcheurs. Hein. Donc voilà, vous voyez, il y a des nouvelles capacités aussi, des nouveaux atouts. Je les montrerai en entracte entre la prochaine map. Effectivement. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que avec le triangle, cette fois, ils ont mis une troisième capacité qui consiste en les objets de lancer. Les pistolets, les couteaux, les fléchettes et aussi. Une nouvelle qui est le cri de l'ours sauvage. Je sais pas ce que ancestral. C'est là. Perturbation, ça s'appelle. En fait, Yéménite. C'est un bug de l'animus qui permet en fait de troubler la vision de l'adversaire. Là, elle vient de te neutraliser. Pendant 10 secondes, tu es neutralisé. Hop, tu récupères tes capacités. Voilà. Et avec R2, de base, tu as les piécettes. Du coup, une fois de plus, la fumigène a été reléguée
au rang de niveau 22 pour l'avoir. Attention. Je suis désolé, mais là je suis obligé parce que j'ai la campagne derrière moi. Il y a quelqu'un derrière moi. Il faut faire des kills là. Je fais un. Ah, mais non, mais il se fait tuer. Ok, bon, c'est pas grave. Il y a Alf992 qui vient de rejoindre. Il y a Blood Raven que tu dois tuer. Bon, là, globalement, le multi n'a pas changé de principe. Les mods n'ont pas l'air d'avoir de nouveaux mods pour l'instant, d'après ce qu'on a vu. Non, mais surtout, ça reste très efficace. Et ça reste extra. Moi, ça me fait plaisir. Hein, oui, mais il y a eu quand même quelques retouches qui font que c'est elle, hein, je crois. Non, mais je... Ouais, d'accord. Fais gaffe qu'elle ne vienne pas te taper parce que bon, on les connaît, les gens comme ça. Je vais essayer de faire un petit truc et rien regarder. On va faire un truc sympathique. Tu peux pas aller. Ah, si. Je pense qu'elle va sortir. Ouais. Attends, je me remets ça y est, ça y est, ça y est. Non, mais non. J'attendais incognito. Mais t'es beaucoup trop gourmand là, on est en deathmatch. Hein. Là, c'est. Voilà, dommage quoi. Cinquième, allez, faudrait faire des points. Il restait plus 15 secondes là. Ah, dommage. Ouais, tu t'étais bien placé. Là, autant voilà. Pour moi, j'ai pas checké, j'ai pas vérifié. Et ouais. Bon, allez, je vais la tuer. Bon, vite, là, la tuer. Voilà, vas-y, va la tuer. Faire un vieux téméraire là, voilà. Oh, l'animation. Un vieux 100 points. Il plante sa lance. Voilà. Et tu sais, il a planté sa dans le sol, il lui a backflip et elle s'est transpercée comme ça. Dégueulasse. Bien ignoble. C'est le châtiment. Donc voilà, c'était le deathmatch. J'aimerais bien vous montrer de la track. Et ah, voilà, ouais. Nouveauté, regardez le trio de tête. Hein, tu ne fais pas partie, malheureusement. Fait pas partie. C'est excellent. Et t'as hein. Annoncé comme ça avec leur niveau. Et on voit que le mec il a quand même. Je crois qu'il a le bouffon là. Pas en ceinture. Ouais, à mon avis, c'est peut-être des bonus. Oui, parce qu'en fait, on a vu qu'ils ont refait. Et le plus. Voilà. Le plus longue série d'assassinats. Il a tué tout le monde. Inarrêtable. C'est lui. C'est 40-15-90. On voit qu'ils ont refait deux nouveautés, hein, ouais. de finish line un petit peu pour ça, de récompense. Moi j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai passé un niveau 12. Magnifique. Et voilà, expérience épreuve 1500. Nouveauté aussi. Et là tu vois, j'ai trois nouveaux trucs que j'ai débloqués là. Les badges, ouais, effectivement. Bah, attends, je vais peut-être voir si je peux vous montrer. Donc voilà, vous voyez que le menu principal a été refait de ce Assassin's Creed 3 au niveau du multi, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné le. Zapper le blanc, innocent et vierge, maintenant c'est le noir hardcore. Trop dark. C'est très joli, ils ont refait le logo Abstergo, ils l'ont coloré aussi. Mais en fait ils ont simplifié le menu, regardez en haut, c'est juste avec L1 et R1, tu peux vous déplacer là, donc là j'ai fait R1 pour revenir là, je vais voter vite fait parce que j'ai oublié de voter tout à l'heure. Voilà, on peut voter, c'est une nouveauté effectivement pour voter. Deathmatch, assassinat. Ah putain, j'aimerais bien. Deathmatch, dans New York. Voilà, on va essayer de trouver un peu du. Voilà, c'est pareil, tant que c'est pas du deathmatch simple, il y aura des gadgets donc c'est bon. Donc, profil de capacité, je veux juste vous montrer les nouveautés, donc moi je suis voilà. Old school. Donc il y a plusieurs atouts. Donc au niveau. Allez, vas-y, charge. Voilà. Donc, au niveau des capacités, Si, il y a garde du corps aussi, je crois, il me semble là. C'est que ça, enfin avant c'était plutôt c'était métamorphose, avant, c'était une capacité, enfin, non, c'est en fait. C'était pas une capacité, c'est un atout, c'est un avantage. Bouclier animus, donc ça c'est nouveau, ça voilà, nouveau. Ça c'est ça existait déjà. Ils ont relégué le poison. Vous l'avez vu, ils ont mis quand même la bombe fumigène qui voilà au niveau 22, hein. Atteindre le niveau 22 pour la débloquer. Et ouais, c'est des fumées, ça coûte. Pourquoi 600 il y a écrit, attends, écrit, ah non, l'amélioration. L'amélioration. Hein. D'accord. Poison. La dernier poison aussi, hein, niveau 24. Bon, niveau 24 c'est pas non plus extraordinaire. Ça saura. Ensuite donc voilà, arme à distance. Donc il y a le couteau, le cri de l'ours sauvage, voilà. Le shotgun et les fléchettes empoisonnées. Donc ça peut être sympa les fléchettes. Très bien, c'est pour moi ça exactement. Atout. Alors voilà, atout, il y a copycat. Je voilà, pense pas que ça existait déjà. Non, je m'en veux. Getter, bon ça oui, c'est... Oui, toujours, c'est oui, toujours. Là, ça existait toujours. Voilà, ça existait moi toujours. C'est celle qui me plaît, la sosie là, celle-là qui me servira. Oui, c'est sosie, on la met tout le temps. On la met tout le temps. Et série d'assassinats, ça n'a pas changé, c'est toujours les éternels. Voilà. Tu fais 5 kills sérieux, ou alors, 7 ouais. Ou 9. Et là, un bonus d'échec, c'est pareil. Mais il y en a plus par contre. Hein. 280. Score x2, magnifique. Nouveauté, Charognard, comme les coups de grâce avaient été implantés avec le Revelations, voilà. Ils n'avaient pas eu le temps ou l'idée ou de le mettre en atout de défaite. Donc en série de négatives, tu as un bonus de 200 chaque fois que tu fais un coup de grâce, tu vois. Donc ça, c'est tant bien. Tant que tu tues pas comme ça. Mais ils en ont fait nouveau parce qu'il n'y en avait que 4 ou 5 à hein, même ah oui, pas. Avant, il y avait... ah, des mais... séries d'échecs. Combien, allez, 3... c'est parti. 8, ah, ça non, y est. 8, ça y est. Il y a Mega Kevin qui a rejoint, en plus ça va être chaud là. Alors je vais reprendre parce que voilà, ça a commencé et ça m'a pris un nouveau skin. Très bien, c'est un espèce de médecin fourré, ouais. Un couteau de boucher, ça rigole il est, pas. Il est classe. Hein. Au niveau de la personnalisation des skins et des personnes, déjà il y a plus de skins. Déjà j'ai remarqué, il y en a moins 3 ou 4 de plus hein, que les habituels 9-10, au moins il y en a peut-être 13-14. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu peux encore plus personnel que dans Revelations. Bon, bien sûr, il faudra bien sûr dépenser les crédits Abstergo, hein. Oui. Mais c'est que ceinture, peinture de guerre, notamment pour les morts, ça sera trop bien, ça, les Indiens, ah, les Amérindiens. Qui allait dans le foin, ici, là. Je vais aller le violer. Allez, va le violer. Arcas 92. Regardez, j'attends. On va lui montrer notre opinel. Allez, viens là, petit. Voilà, tu nous feras pas des frags movie sur MW2. Là, je vais te montrer ça mon opinel. Ça fait 6 ans que tu fais des vidéos. Allez, viens là. Donc là nous sommes où? Nous sommes à Boston, mais cette fois le port de Boston, hein, là où voilà. On est arrivé avec Etam. Exactement. Donc on okay, là. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qu'on peut vu la One. Bah si, ils l'ont vu forcément, de toute façon. Attends. Oula. Ouais mais ils aiment bien écarter les gens. Il va être en blotte, hein, oui, ok, il montrait ses parties, ça lui plaît. Attends. Oscar Correa est parti. Allez.
Là, c'était le gamin, quoi, je crois. Je ne sais pas. Ce skin rouge est très très joli. Voilà. 20 sur 50, le Vengeur. Alors, pour avoir le titre Vengeur, il faut que je fasse 50 coups de grâce. Donc, ça, c'est très bien. Je trouve que toujours cette. On va voir si Kikou est parti. Non, Kikou. Cet ensemble. Arka, c'est toujours là. Oh non, mais c'est l'autre qui est parti. Il y en a un autre qui est parti. C'est Bobby qui est parti, il y en a un autre qui est parti. Hop là. Allez, on va se déplacer. Donc, vous savez, en deathmatch, il n'y a qu'un exemplaire du personnage incarné. Voilà. Il y a les atouts quand même. Hein. Il y a les atouts et la carte est deux fois plus petite. Donc, voilà, c'est ça. Nous, c'est sauvage. Hop là. J'ai été sûr parce que. Il te regardait bizarre. Hein. L'Indien là, il est sorti du bain avec Pocahontas alors que normalement, tu sais, il serait resté avec elle, quoi, tu vois. Et là, Mais Pocahontas, laisse-moi tranquille. Tranquille, Pocahontas, qu'est-ce que tu nous fais dans la vie là? Alors, moi, les nouveaux skins, je les aime bien. Ah, ils sont, je trouve, très jolis parce qu'ils mêlent plusieurs cultures, effectivement. Comme je vous l'ai dit, voilà, les maps sont très. C'est très bien level designé parce que, voyez-vous. C'est lui. Couteau. Voilà. Couteau. Couteau qui coupe tout. Là, vous avez vu l'effet que vous avez vu graphique. Mais oh non. Stop. Mais là, mais j'ai pas fait. Mais, non, mais t'aurais dû. Je suis un incognito. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais non. Oh là là, ah, là dommage, là, dommage. C'est ça la beauté de ce jeu, c'est que ça va très vite. Ça s'enchaîne. Le meilleur Kevin tape une aide. Hein. Voilà. T'as humilié malheureusement. C'est terrible. Donc voilà ce que je veux dire pour les maps, c'est que bon, ok, dans Deathmatch elles sont plus petites, mais en track c'est très flagrant, c'est que elles ont été très bien travaillées dans le sens où elles sont totalement différentes, il y a plein de petits coins, il y a des coins comme ça, plutôt des petites places, un peu place du marché, il y a des coins, des petites rues, carrément même des places dégagées, ou alors à côté de, je sais pas, de kiosques, c'est surtout dans le monde des plantations de Virginie, c'est très... Non, ah putain, je suis trop con, j'aurais dû attendre, ouais. J'ai voulu jouer le mec, attends, je suis trop confiant et tout, mais non, ouais. Bon, c'est pas grave. Dommage. Et oui, nouveauté aussi, tu fais select et je tu vois peux voir son détail. Le détail le des détail, kills de celui qui vient de niveau te 42 tuer. Là, le gars il level up hein, parce qu'il est déjà niveau 42 et il nous met la Roxor, il est 2500 points donc ça va. Et on voit que tu peux changer de capacité de profil en étant en vie. Tu dois payer 60 donc je comprends pas l'intérêt en fait. Je comprends pas trop parce que tu peux. 60 points? Oui. Mais tu dois payer, tu peux pas changer gratuitement. Si t'as oublié de changer, c'est possible. Oui, mais payer 60 points, c'est genre qu'on en gagne que 300. Si t'as l'oseille, si t'as les moyens, le gars il y a les moyens. Ouais, tu vois. Bon, avant d'avoir les moyens quand même dans ce jeu. Mais, ah, il y a le rebug. C'est bizarre hein. Je peux pas le jeter mes couteaux magiques. Comment ça se fait que ça bug comme fait ça tuer, là? Et j'ai plus personne. Mais c'est bizarre que ça bug. Oh, mais je vais lui faire un petit coup de grâce. Voilà, quand même, on peut quand même le tuer. Alors, ça, c'est la première fois que ça nous arrive. Hein. Genre, voilà. On est en vidéo, c'est exceptionnel. Hein. Le gars, il faut qu'il bug. Toujours. Le jeu, dont on a joué ce matin en tout, donc 2h30, 3h, et il n'a pas du tout bugué. Hein. Et là, c'est pas lui, hein, c'est bon. Bizarrement, et il veut pas que je le tue. Il fait que bug. Peut-être qu'il a une protection, je sais pas. Ah, mais peut-être. Non. Protection du bug. Regardez, je crie un petit enfant, t'as vu? Ouais, c'est le leurre. C'est le leurre, exactement. Je vais sur lui et je peux dire. J'ai crié très fort. Va-t'en. Mais t'as pas de. Non, mais j'ai pas de cible. Voilà. Donc, les deux Indiens là, tu vois. S'aiment pas trop. Hein. Moi, je les confonds par moments. C'est un peu comme les filles dans Revelations où il y en avait deux qui sont. Non, mais là, c'est encore pire parce qu'il y en a un qui a juste une peau de bête sur l'épaule et l'autre qui a une cape verte en fait. Enfin, une cape plus ou moins verte selon comment on le personnalise. Donc, là, j'ai pas visité la carte. On va aller sur le toit vite parce que bon, de toute façon, je suis 5ème. Là, c'est une pays. Là, juste pour vous présenter un petit peu le. Je peux pas y aller. Non, c'est parce qu'on est en deathmatch. Attention. Mais laisse-moi tranquille là, qu'est-ce que tu fais? Et le mec il avait à tout prix m'humilier, tu sais. Ouais, mais si tu veux, tu m'humilies. C'est un peu comme dans Revelations quoi. Alors le provoque, il faut le faire. Ah, ça marche en plus. Et 750 fake, hein. XP. Donc voilà, moi j'aime bien. Les maps sont très jolies, très colorées et comme tu l'as dit, c'est frais, c'est bien. Voilà, le fait. Arrêtez, pourquoi on tasse? Va-t'en là. Regarder là, laisse-moi tranquille là. Putain, y'en a marre maintenant là. Sinon, je te provoque. Sinon, je tue ta réserve une fois de plus hein. Mais ce que j'adore aussi, c'est, comme tu l'as dit, la météo évolutive. Ça change du tout au tout. On passe de la pluie, mais très très forte, où on n'y voit rien. Et notamment dans le passage du nord-ouest. Et là, ça fait une boucherie sans nom ici. Là, c'est lui. C'est lui. Allez, on voit son avatar, ouais. Il avait son drap là. Mais vas-y, la violence. T'aurais dû l'humilier, ça faut le faire à chaque fois. Ouais, mais des fois j'y pense. Là. Je sais pas qui c'est qu'elle est. C'est là. Je suis caché. Humilie là. Je crois que je suis caché. Droite. Là. Attention. Fais-moi plaisir. Tu pourras lui montrer avec L2. Tu pourras leur montrer le leurre. Et enfin, voilà, dans le passage du nord-ouest, quand il y a la neige, le blizzard, on n'y voit rien, tu m'as dit. Hein. Franchement, les personnes, les PNJ sont recouverts de neige, on n'y voit quasiment rien. J'espère qu'on va pouvoir la montrer, mais sinon, de toute façon, on la montrera voilà, en wiki, évidemment. Mais en tout cas, c'est très très bon, c'était une bonne surprise, je ne m'y attendais pas du tout, c'était pas du tout annoncé. C'est vrai qu'au début, on était là, ouais, le multi, ça va être encore la même chose et tout. Non, quoi. Et finalement, là, en y jouant, déjà, ils ont changé l'interface avec une petite plantation. Ils ont rééquilibré le jeu. Aussi, hein. Ça, je trouve ça très très bon. Ah, c'est très joli, hein. Ils ont rééquilibré le jeu. Il y a un problème, je ne peux pas jeter mes couteaux. Donc, à mon avis, la manette marche plus son deux clients couteaux là. Oh là là, avec ton crochet toi là. Oh là là, il t'a refait la gorge quoi.
Bon, je m'en sors pas trop mal, deuxième. C'est bien. Ça va. Mais je suis content parce qu'il y a C'est juste que le mec il survole à 42, il a des compétences. Il a des fumigènes, hein. Il a des compétences qu'on a et pas. T'as des fumigènes? Holy fuck. Je suis en mode copycat. Ah. Je prends le profil du mec qui m'a tué. C'est pour excellent, ça. Hein. Excellente charme. C'est pour ça que j'ai les fumigènes depuis ça tout à l'heure. À droite, à gauche, pour la peine, je vais la smoke grenade. Comme à la bonne époque, ça a bien failé quand même. Hein. Ah, bah écoute, le principal c'est que je la tue, je prends les points. Je prends le bif, regardez, je l'ai protégé lui, donc j'ai un bonus hein, de voilà, protection. Exactement. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un multi. Ouais, franchement, ils ont beaucoup travaillé dessus, ça se voit. Ils ont fait un effort de rééquilibrage, je trouve, parce qu'on se trouve, voilà, comme j'ai dit, le côté hardcore de Brotherhood et le côté de la défense, droit de la défense. On est un peu revenu de Revelations. Sur le hardcore gaming. Ouais, et franchement, ouais, en plus, il y a un noyau d'or de la communauté, parce que dès ce matin, il y avait des mecs qui savaient jouer, quoi. Ah, mais ça Rockstar. Voilà, et là, on voit qu'il va se faire défoncer, là, ça va un couteau, bon, coup de grâce. Non, mais c'est non. Un mec qui voulait me tuer. Ah oui, pardon, la flèche rouge. Pardon. La meuf, elle est là-bas, là, tu vois. Non, rien. Non, mais c'est juste que je fais attention parce qu'il y a un mec qui va me tuer, c'est lui. Attention, là. Attention à se mettre à courir partout comme une gigoule. Non, c'est bon, t'inquiète, regarde. Non, c'est bon. Humilie, n'oublie pas d'humilier. Non, attends. Y'a lui. Il veut me tuer, c'est sûr. Oh, ah putain, mais je l'ai vu arriver. Faut toujours remettre son col même si tu te fais humilier, tu vois, c'est question d'honneur quand même. Alors, les skins. J'adore. Ça va, ils sont bien. Non, moi ils me plaisent vraiment beaucoup, je trouve qu'ils sont très jolis. J'avais beaucoup moins aimé les skins. On a retrouvé le prêtre, donc c'est le prêcheur. Qui avait disparu hein, dans ce Revelations, il n'y en avait pas vraiment. Le pêcheur. Bon, c'est vrai qu'il y avait le fils à Muammar et compagnie. Mais... Exactement, le lutteur. Bon, c'est que j'avais moins adhéré à l'ambiance Revelations, hein, mais là je trouve que. Ah putain, c'était pas lui. Même... Ah, mais non, c'est lui. C'est lui. Attends, relax. C'est lui là. C'est lui. Eh, hey, tout le monde, relax. C'est lui. Ils sont combien là? Non, mais c'était que lui en fait. Ah, c'était que lui? D'accord. Oh, putain, il t'a refait les lunettes. Parce que j'ai cru que c'était l'autre aussi. En tout cas, il y a ça tombe à droite, à gauche. Très grande personnalisation quand même, je le répète, faisons des ceintures et tout. Enfin, je vous le montrerai le week-end prochain. C'est fait pour dépenser effectivement beaucoup d'argent. Alors, point négatif comme FIFA. Ouais, il y a les Abstergo Points, donc euros. Erudito, je crois. Les points Erudito, en fait. Il y a 3 sur moi, vous rendez compte? 3 sur moi? Donc en fait, on peut acheter tous les articles du store, en fait, on peut les acheter. Ah merde! Ah, c'est la folie, elle est là partout. Voilà. Elle est où la femelle? Mais non, mais elle est c'est ici. Bon. Ah, mais c'était elle. Okay. Elle et vas-y! Putain, les femmes, ça rigole pas ici, elles t'ont défoncé quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, effectivement. Tout ce qui est. Il a le pape, il a Borgian en taxe pour vous dire à quel point, lui, mon avis, il doit Rockstar la collector. Et Mega Kevin Arashkit, c'est terrible. Il n'y aura pas mis longtemps. En tout cas, voilà, c'est ça, effectivement. Tout ce qui est achetable avec des points Abstergo. Oula, Trunk, fais un Trunk aussi. Là, tu poses la bombe et tout, pose la nuke. Tiens, tentative mob. Elle va me tuer. C'est pas grave. Elle va me tuer. Non. Ou il y en a qui va me tuer alors. Maintiens carré, c'est pas grave. Attends, oulala. Non, c'est bon. Non. Oh là là, mais t'es passé vite. Mais attends, comment il peut me tuer? Si, c'était lui. Tu venais d'avoir son contrat sur lui en fait. Je veux l'avoir. Allez, le jeu est hardcore. C'est lui. Le jeu est hardcore. Yes. Ouais. Putain, mais c'est ça qui est bon là. Il est magnifique. Mais je trouve qu'il est bien mieux que toi de Revelations. Tu vois, ils l'ont affiné. Et ils ont vraiment travaillé une fois plus, je le répète. C'est tout simple, hein. Juste en enlevant le bouton rond et en le mettant en carré. Exactement. Ça change le comportement des joueurs. Totalement. Et puis là, le jeu est pas sorti, donc. On peut comment dire se faire plaisir noyau et, dur, quoi, voilà. Et dire que c'est le noyau dur qui joue en ce moment. Et encore c'est faux parce qu'il faut l'avoir reçu. Donc il y a plein de hardcore gamers qui ne l'ont pas malheureusement. Là c'était elle hein, qui t'a sauté par dessus. Attention. Hop là, magnifique. En tout 9 cas, secondes, je m'en sors pas trop mal là, attendez. Ouais, je sais que je vais que... dans le podium, attention, tout va bien. Triagasme là, attention. Il y a un mec dessus. Oulala, elle m'a tué, est-ce qu'elle me passe devant ou pas? Je sais pas, deuxième. C'est bon, je finis dernier. En tout cas, je trouve, voilà, même cette présentation de fin, c'est très beau, la qu'il sort de l'action finale et puis le podium. Oula, il a la Parkinson, le Ah corps. Non, mais là, un coup dans la tête, ça fait du mal aussi. Hein. Mais je sais que tout le monde n'est pas absolument fan du multi derivation, de multi d'assassin, parce qu'il est particulier quand même. C'est bon, regardez. Mais personnellement, je suis totalement encore une fois de plus en désaccord avec ce qu'avait dit JVC, on l'avait déjà dit en 2010, il va durer un mois. C'est faux, je suis désolé. Je trouve que c'est un multi de qualité. Eh, c'est moi qui suis en vidéo, j'ai réalisé le plus d'assassinats. Oh là là, le boucher quoi, le boucher d'Edimbourg, le boucher de Boston. Énorme. Exactement, mais je trouve que c'est un multi de qualité, c'est-à-dire qu'il a son identité propre. Inarrêtable, c'est le plus long de série et réalisé le plus rapide. Je suis dans le tableau de fait. Après, je sais quoi là. Moi personnellement, je le préfère bon, pas ceux de Uncharted, même s'il n'avait rien à voir, mais c'est des multi apparus en même temps. Oui, parce que ça tire pas dessus. Là, c'est à l'ancienne. C'est pas l'ancienne, c'est juste que c'est des armes plus technique, tu vois. Même si plus technique. Je sais que ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour dire que moi, c'est un multi qu'on apprécie, toi aussi encore plus. Hein. Attends, je vais c'est un multi qu'on adore en tout cas. J'ai de l'oseille donc. Et t'as vu, il y avait marqué des améliorations que tu pouvais leur apporter, il me semble. Plus rapidement votre jeu. Je pense que c'est bien ça.
Et attends, essaye un truc là. Ouais, vas-y. Vas-y, retourne sur les fumigènes. Remonte, attends, je vais voter. Faut voter. C'est important, voter. Les enfants, de voter. Ah putain. Oh, mais je vais mettre du coup assassinat. Ouais, mais ouais, non. À droite. Plantation de Virginie, on l'a montré. Tu peux encore dépasser à droite, je crois. Déplace-toi à droite. Ah, non, il faut ah putain, je peux plus voter. Holy fuck. Rond. Quitte. Ah, deux votes pour Virginie, Deathmatch. On l'a montré ou pas? Non, on l'a pas montré. Eh bien, on va la montrer. Et va dans ta capacité vite fait si tu peux. Mais j'y vais. Juste, est-ce que tu peux. Là, reste sur la. Voilà, vas-y, capacité, va sur les fumigènes. Va dans ton profil là aussi, parce qu'il me semblait qu'il y avait des trucs. On va dire profil. Oh, mais tu peux les améliorer. Là, voilà, va, retourne encore. C'est pour montrer qu'il y avait des. Voilà, en bas, vous voyez, il y a les paramètres de la durée, temps d'exposition et recharge. En fait, c'est ça qui m'intriguait depuis tout à l'heure en fait. Ouais, regarde, en d'accord. Fait, pour les améliorer. Ouais, c'est ça. Mais toi, bah, il faut XP. On n'allait pas là, mais je sais qu'il y avait un menu en fait de capacité pour. C'est quoi en bas rendre modifiable? C'est-à-dire que le profil par défaut, tu pourrais le modifier aussi. Il disait en bas rendre modifiable, je sais pas. Donc, ah, tu peux acheter un profil numéro 2. Regarde. Ouais, mais bon, ça ne sert à rien pour l'instant, j'ai pas d'argent. Non, mais pour l'instant, on peut même pas s'acheter les fumigènes, donc ça ne sert à rien. En tout cas, voilà, c'est vraiment un multi que moi j'affectionne et je trouve qu'ils ont bien travaillé. C'est pas du tout pour faire de la lèche ou quoi que ce soit, parce que Revelations m'avait déçu même au niveau de son multi. D'ailleurs, vous l'avez vu, on avait beaucoup moins joué dans le multi de Revelations. Bon, t'es arrivé en vidéo. Prestige, mais en vidéo, on avait fait beaucoup moins de vidéos que sur le multi de Brotherhood, auquel vraiment, avec Curlix, c'était assez mythique. Mais je pense que celui-là fait un retour en fanfare, surtout qu'il y a le pressure, donc voilà, c'est bon. C'est hein. Ça. C'est niveau. Mais cet affichage, on voit qu'ils ont abandonné l'affichage L1, R1 de part et d'autre de l'écran. On voit ce qu'on débloque par palier. Ouais, niveau 13, j'aurai 19 récompenses. Voilà. Donc ce sera des nouvelles armes, je pense. Hein. Oui, c'est des nouvelles animations. Donc, niveau 13, voilà, métamorphose. Le 14, j'ai... Mais une fois de plus. Ok, il ouais, bah, y a un voilà. Palier de récompenses qui est assez important. Mais une fois de plus, on débloque les choses, mais on faut les acheter avec l'argent attends, qu'on a. Attends, ça c'est en train de jouer là. On et t'as 10 dollars, hein, t'as 10 dollars en haut. Du coup, je suis Pokémon Tas. Allez, c'est parti. C'est bon, Pokémon Tas, je viens là. Ça a déjà joué depuis 20 secondes, mais c'est pas grave. C'est rien. Donc nous voici ici. Plantation, une carte, mais de toute beauté. J'adore. J'adore ce cas. Alors, je l'ai joué uniquement en deathmatch, donc je suis jamais allé plus loin. Peut-être n'est-elle qu'en deathmatch. Hein. En tout cas, elle est super belle. On est devant comme ça, une propriété. Oh putain, t'es presque avec Unito. Hein. Et là, bien sûr, c'est le viol collectif à la fin. Voilà. T'as la trappeuse. Hein. Je me fais défendre. Non, c'est que en fait, j'ai changé de skin. Oui, oui. Mais là, t'avais le skin de la trappeuse, effectivement. Et t'as Pokémon Tas, sinon. Ouais, parce qu'on peut chasser hein, dans Assassin's Creed 3, ouais. Donc ça va nous tarder aussi. On vous l'a dit dans le War 1, on le répète pour ceux qui ne l'ont pas des vu. Vidéos, ouais. On fera des vidéos comme ça un peu de temps en temps. Où on passera un moment ensemble dans le jeu parce que je pense que le jeu il peut être sympathique à découvrir c'est ensemble lui. Faire quelques activités. Allez vas-y jette lui ton couteau pour lui exprimer ton mépris le plus total. En fait, je jette depuis trop loin donc. Hop là, non mais c'est bien, il a rien compris à la vie. Vous voyez cette carte, une fois de plus comme tu as dit, est très jolie. Je vais sur le kiosque. Et elle est très bien level designée à mon avis parce que elle me fait penser à une place centrale, regardez. Elle fait penser à Rome un peu. On est devant la grosse propriété là. Exactement. Donc il y a les maisons après. Les dépendances, voilà. Les dépendances. Il y a les bâtiments agricoles, ouais. il y a un champ, joli, les plantes, c'est une civiculture, hein, donc c'est plantation, hein, civiculture. Voilà, là, il y a un champ, je sais pas au fond ce que c'est là-bas. Un fleuve. Ouais, voilà, c'est très joli. C'est très joli. Je maintiens que le je suis au-dessus, je le vois. Le multi est vraiment très joli et très agréable à jouer, surtout c'est lui. Il veut te tuer. C'est lui, je crois. Il y a des. Ah, voilà, c'était lui qui vient me flinguer, donc je vais. Vite. Faire un petit coup de grâce. Allez, un petit coup quand même. C'est ça qui est. C'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Vous avez vu, je sais pas si voilà, ça a été furtif, mais tu vas nous expliquer pourquoi il y avait écrit variété 3 sur 5 en dessous de ton kill là. Parce que en fait, voilà, là je vais avoir une mort contestée, donc ça va quand même faire plus variété, voilà, 4 sur 5. À partir du 5ème kill varié, faut faire 5 qualifications, 5 obtentions de points différentes. Voilà. Une fois je fais coup de grâce, une fois je fais assassinat simple, une fois je fais. Assassinat aérien, mort honorable. Une fois je fais mort honorable et clac à la 5ème j'ai un bonus de 400 points. Donc vous allez voir là, la prochaine kill, au prochain point, mais voilà. Il est où le gars là. Mais en fait, tu vois ça, le fait qu'il y ait variété là, ça me fait penser à une justification du grande diversité dont on ne savait pas d'où il venait. Regardez, ouais. Je vais essayer de faire un combo breaker. Ah non, il va le tuer. Vite, fais un coup de grâce alors. Ouais, c'est pourri de faire un coup de grâce sur pas ça. Pas grave, prix. Bon choix, de toute façon, autant faire 50 points. Donc c'était comme ça dans le précédent, il y avait grande diversité mais on savait pas d'où il venait. Cette fois il y aura un compteur de différentes qualifications à obtenir en fait. Ouais, c'est un double système de kill streak. Exactement. Si on peut reprendre des termes tu as tes séries d'élimination et ensuite tu as tes diversités d'élimination. Donc voilà, j'ai deux pièces, donc hop, on voit que tout le monde bouge sauf lui, donc c'est forcément lui. Donc là il rachète. Il t'attend. Il se conteste, tu atteins le niveau 13. Alors on voit que discret, là, regardez, voilà, discret, hop, 250. Parce que j'avais déjà fait un discret, donc je n'ai pas fait encore de grande diversité. Il faut que je fasse un autre chose, un silencieux, incognito, quelque chose comme ça, voilà, acrobatique, je sais pas.
On voit en tout cas qu'il reprend ce jeu les acquis effectivement du bon Revelations, parce qu'on peut jeter les bombes. Donc c'est pour ça qu'il fait que c'est un multi très varié, très jouable je trouve, parce que comme je le répète, avec le fait qu'on puisse avoir des armes de lancer en plus, par exemple du poison et du fumigène, moi c'est comme ça que je jouerais. Eh bien, ça évite de devoir décider entre le poison, le fumigène ou les couteaux à lancer. Je trouve que ça permettra un gameplay encore plus différent et total, même dans une même partie, tu vois. Ça, bon. C'est très bien, je trouve. Non, mais c'est moi, une, ça n'est pas d'une grande utilité parce que moi, oui, donc, j'ai jamais joué au couteau. Bon, attends, est-ce que c'est elle ou non, mais les fléchettes empoisonnées, par exemple, ça peut être une très bonne chose aussi, tu vois. Oui, oui, les fléchettes, ça peut servir peut-être. Donc, je trouve que c'est si bien. C'est toujours ça pris. Dans Revelation, j'avais pesté pour le fait qu'il n'y ait pas une troisième capacité. On m'a entendu, donc ça fait plaisir. On voit aussi que les murmures sont, de plus en plus, sont encore plus importants, je trouve. Ils ont mis le son à fond, quoi. Le médic, là, le boucher, oui, là. Oui, non, putain, le boucher des Limbourg, il arrive à m'attraper. Il veut ton cul, il a dit là, la trappeuse, viens là. Il sait pas que t'es pas une trappeuse, que t'es une Pocahontas en fait. J'attends, donc c'est très bien de faire ça aussi. C'est marrant de faire ça. Attends, tu vois, incognito derrière toi. Mais il est là, d'assaut l'autre. Essaye de le tuer. C'est pas lui. Il est où? Il est où le gars? Il est là, où? Viens là! Hop là! Ah, je t'ai tué quand même, m'en fous. Contesté, discret. Donc, tant que j'ai pas fait la diversité. Siri! Ah, c'est... Ah non, je oui, parce que j'ai fait 5 kills d'affilée. Ouais, je pensais que Siri, c'est atteint la qualification. Voilà, tu ramasses les piécettes quand même, non fait. Chaud. Hein. Donc, oui, la bombe à pièces, effectivement, comme tu l'as dit, bombe d'argent qui remplace, enfin qui remplace, donc qui devient la bombe de base en fait. Hein, oh putain, il y a un tue, les gars. Bien. Alors, est-ce que ta série de variété est annulée là? Elle est toujours. Non! Non, d'accord. Non, la série de variété, elle est inerte, elle est. D'accord. Elle a rien à voir avec les séries de kills normales. Ça, vous avez vu, j'ai eu 250 parce que j'avais réussi 5 kills d'affilée. Magnifique. Que ce soit en discret ou contesté. Oui, parce qu'après, il y a aussi effectivement dans genre plus 750 points. Si vous réussissez 5 kills en silencieux, c'est un peu plus compliqué. Et vous voyez en bas les magnifiques défis qui se remplissent progressivement. Repris le bros de Revelation, c'est une excellente chose. C'est hein. Pas lui, c'est un sneaky, le gars. En tout cas, même les maps me plaisent beaucoup plus que dans Revelation. Parce que faut dire que Revelation, le cadre me plaisait moins, tu vois. Et là, je trouve qu'une fois de plus, l'Amérique, c'est magnifique. Ça me saoule. Ah, mais si, c'est lui. Si, c'est lui. C'est le seul lui, le sauvage, il fait des. Viens là, fumier. Oh non! Oh non! Oh non oh, j'aurais pu avoir ma série là, j'aurais Roxor. Ah, c'est bon. Et il se vole le kill. Bon, pour la peine, on l'humilie. Coup de grâce. Tiens. Et je fais, regardez. Voilà, je fais mon cri de sauvage. C'est voilà. Pas ce cri de c'est merde. C'est pas ce cri horrible. Putain, m'a fait peur, on dirait une dinde quoi. Ouais, choc quoi. Mon dieu. Là, ah, moi, il est là. Je pars pas moral cette année, je peux vous dire que ce multi, je vais le gros tort. Je vais le Roxor, je vais tout ce que faire. On va le couvrir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, regardez, il s'est trompé, c'est moi. Gros. Magnifique. Variété. Voilà. C'est ce moment. Il me semble que variété. Mais arrêtez de. Voilà, oh, laisse-moi passer premier s'il te plaît là. Magnifique. Oh là, variété 6 sur 10, ça continue. 7 sur 10. Oui 8 sur 10 voleurs. Holy fuck, c'est quoi ce jeu? Putain. Parce qu'après, il y a un nombre maximum de qualifications, donc tu peux pas tout avoir non plus. Donc maintenant, faut les faire de l'assassinat. Attends, derrière toi. Attends, ils sont partout en diagonale. Dans la merde, donc en tout cas, le deathmatch, tu vois, je trouve qu'il est encore bon. Il y a le deathmatch simple qui se joue sans atouts, mais je trouve qu'il est moins intéressant que le deathmatch classique qui se joue avec des atouts. Ah, ouais. Ah il m'attend, regarde, il m'attend. Eh oui. Me tue pas. Attends, bon, tant pis, je vais le tuer. Non. Putain, il m'attendait d'ailleurs. C'est les joies du. La même voilà. Technique que moi. Oh, putain, le crochet à la gorge. C'est les joies du TPS. Hein. Ce jeu, il est bon. Bah après, c'est des commentaires en direct, donc on est très excités. Faut pas faire ça. Très objectif et tout. Non, mais là, c'est un jeu où on le vit, quoi. Voilà, c'est. On est en direct, c'est une première impression. Voilà. J'avais envie de vous faire cette vidéo, ça me tenait à cœur parce que le multi Assassin's Creed c'est quand même un multi que j'affectionne tout particulièrement. Depuis le début, l'idée nous avait séduit. On avait eu peur, mais. Allez, le boucher là. Je trouve qu'il est à la fois technique et assez bourrin. Puis il y a une énorme marge de progression parce qu'il est pas si simple que ça quand même. Je vais pas me jeter des fleurs, mais si je finis encore dans le top 3. Alors qu'on joue sans son. Ouais. Oui, parce que les murmures c'est très important quand même, je l'ai dit. Encore plus que dans le précédent, je pense, à mon avis, parce qu'ils sont encore plus forts. Ce qui me fait marrer, c'est que le mec là qui est premier qui est à niveau 50, là, il traîne tout le temps ici. Là, ah, là, ça meurt ici. Ça lui démange, il reste tout le temps là. T'as. Le chêne centenaire, tout le monde est à côté de lui. Quoi, bon, hein. Alors je me change de Pocahontas en. Pocahontas. Homme. Hein, Pocahontas. Voilà. Et je vais essayer de tuer lui. Le mec. C'est lui. Ah, il a un skin, il ressemble à rien. Regarde. Voilà, lui, c'est un petit peu le spy de. Non, il ressemble à rien du tout. Là. Voilà. Fais le tour de la map sans que j'arrive à te chercher. Dans la map. C'est marrant, vous remarquerez que à chaque fois que vous fuyez votre ennemi, vous foncez sur lui. C'est un syndrome d'Assassin's Creed en fait. Hein. Ouais, il m'a vu, hein, donc ça sert à rien. C'est pas grave, t'en fous. Non, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais attendre. Mais il reste 2 minutes, alors si tu veux finir 3ème, attention. Ouais, hein, j'y vais alors. Parce que le mec il commence à courir partout là. Là, il faudrait le faire tomber, tu vois, en mettant des coups de couteau. Bon, je t'écoute alors, je mets un couteau. Ah non, mais s'il était suspendu, ça l'aurait touché, mais bon. Bon. Ouais, c'est bon. Ah, il m'a pas vu. Il a pas eu le temps de. Protégé.
Non, protégé, c'est laisse-moi bon. Laisse-moi tranquille, toi. Magnifique. Sauveur, est-ce que tu... Sauveur, c'est un... Ah non, Sauveur, c'est pas une nouvelle variété, mais bon, là, ça tu va. Tu lui mets un Tomahawk. Oh là 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 là. Jette tes pièces d'être. Ils sont gentils, eux. Ils veulent de l'or. Si tes copains amérindiens, faut les payer. Merci, voilà. C'est un peu de bien de leur faire l'aumône quand même, hein. Il faut que je trouve l'autre là. Sinon, oui, effectivement, on peut changer d'arme aussi, mais ce sera sûrement à chaque fois purement esthétique. C'est. Non. Tu le vois pourtant, fais gaffe, tu le vois. Tu le vois, donc le cadre bleu nous l'indique que tu le vois. Là, c'est lui. Ici, là. Allez, t'es quatrième, hein. T'es un peu loin. Mais yeah. Profite-en, t'as personne derrière toi. Là, c'est lui. On attend incognito. Là. Maintiens croix. Lock-le. Ça suffit. Lock-le. Ça suffit. C'est un noob. En plus, c'est un noob. Allez. Ah, je suis désolé, là, je vais pas me la raconter. C'est un noob parce que quand tu vois un mec comme ça, comme lui, là, tu vois, là. Quand tu vois des mecs qui te courent, qui te marchent autour, qui font des animations, mais genre, ils sont pas scriptés, tu sais. Genre, un mec qui fait des pas, il se trahit. Il va à droite, à gauche. Il fait 100 points. Au niveau des profils. Le mort honorable 100 points, il a fait 100 points. Ouais. Voilà, Nora, je t'annule le kill. Exactement. Toujours 4ème. Il reste 30 secondes, je vais pas faire le podium. J'aimerais bien faire le podium. C'est lui. C'est lui. Je m'en fous. Je lock, je jette le cut. Non, m'en fous, ça marche quand même. Contesté ou pas, 3 points. Oh putain, 3ème, les gars. C'est pas fini, tout va se jouer dans ces 23-22 secondes maintenant. Attention, allez, on conteste. Je conteste, ça prend les points. Ça réduit de 100 points donc, par rapport. Désolé si vous entendez un peu le tapotement de carré croix, mais c'est. Tu as gagné 100 points, donc ça annule en fait. Ça annule alors, c'est bon. Aucune différence entre vous deux. Mais entre temps que je meurs et que ça, je ranime, ça change les. 7, 6, vite, 5, que je me fasse pas violer s'il vous plaît. 4, 3, 2. C'était lui là-haut, 0, bonne année 2012, voilà. Troisième. On va s'arrêter là, troisième, c'est magnifique. Ah mais ça va, je suis content, deux fois le podium. Donc on n'a pas pu vous montrer le passage, mais dans les prochaines weekly, ce sera ça tout le temps du coup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, effectivement. 9-6 sera sur positif en plus, tout va bien. Un très bon multi quand même, voilà. Oui, ça va. Très, je trouve, voilà, mature et maîtrisé, c'est-à-dire que c'est vraiment plaisant à jouer. En tout cas, on va y jouer, nous. Voilà. Donc vous inquiétez pas, en fait, quand il a cette récompense là, marqué le plus de points à un seul assassinat, c'est tout le temps la même animation, genre la même séquence. C'est normal. Mais il y en a tant qu'il y a de récompense, exactement. Il y a d'animation. Voilà. En tout cas, c'est qu'on peut paraître enthousiaste sur ce multi, mais on l'est sincèrement. C'est-à-dire que moi, c'est notre cam, quoi. C'est des multis comme ça qu'on veut, en fait. Hein. Donc on va voter pour la prochaine carte, la carte qu'on ne va pas filmer, bien sûr. Hein. Voilà, donc le noyau d'Animus, t'as qu'à mettre. Le noyau. Nous a montré, voilà, le noyau, quoi. À droite, en fait, tu peux encore continuer sur la droite. J'ai pas l'impression, pourtant. Donc voilà, c'était une pays sur le multi, pas trop prévu à la base, mais bon, je me suis dit, tiens, si on testait le multi, puis si on le présentait avec vous, hein, découvrir, c'est pas trop une découverte parce que j'ai joué quand même 2 heures avant, mais bon, si j'avais pas joué 2 heures avant, j'aurais pas pu faire ma classe, ma capacité. Je sais même pas si tu l'as pas utilisé en plus. Hein. Et je l'ai utilisé, mais elle est un peu bancale parce que vous avez vu, j'ai mis la jetée de pieds. J'ai mis la bombe et je m'en sers même pas en fait. T'as utilisé tout le temps l'autre, hein. C'est sûr. Ah oui, t'étais tout le temps profil par défaut. Donc d'accord, voilà. Autant, ouais. Mais parce qu'en fait, on n'a pas pu mettre ce qu'on veut, on veut mettre la bombe fumigène. Jeu à fumigène, il faut être niveau 20. Donc voilà tous les personnages. Hein. Donc là, une femme, deux femmes, trois femmes. Donc la parité est respectée. 4 avec lui. La parité est respectée. Et après, il y en a plein, c'est les skins qu'on a vus et qui sont pas là. C'est des skins comme le cowboy, c'est des skins qui sont dans les éditions collector. Hein. Exactement, effectivement. Vas-y, prends un mec n'importe là, juste pour montrer le début de la carte qu'on se quitte sur des images du jeu. Ah, je vais prendre lui alors. Ah, il est bien, lui. C'est mon skin préféré, je pense, lui. Donc voilà, en tout cas, voilà, il y aura les weekly sur ce jeu. N'hésitez pas à vous inscrire, on a déjà eu des inscriptions, mais vous pouvez toujours poser votre candidature. On répondra à tout le monde. Donc vous voyez, on est complet. Hein. 8, voilà. C'est parfait. Et il y a un niveau 43 qui est Triagasme. C'est toujours le même. Qui est un violeur de poule. Moi, je suis 13 niveau 13. Niveau 13, exactement. Blood Raven 14. Voilà. En tout cas, ouais, multi sympathique. Et qui a été revu, rééquilibré, je trouve. Orage et il pleut. C'est bien. Orage au désespoir, en fait. Hein, voilà, je vous ai pas montré de track. Je vous ai montré que du deathmatch. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. La track, vous en avez vu suffisamment. Dites-vous que la track, c'est plus grande, en fait. C'est tout. C'est la map plus grande parce qu'on a quand même les aptitudes ici. Oui, les gars, c'est pas compliqué. Regardez. Ça là, c'est lui là. On va se quitter sur un kill là. Voilà, mais lui contester. Il conteste, mais là je sais même pas. Ah, mais c'est encore mieux. Ah, mais c'est lui qui me tue. C'est encore. Attends, mais c'était bien lui qui avait la carte. Non, t'as dû te tromper visiblement parce que il a retourné le truc contre toi. Donc faut qu'on se quitte sur un kill. Donc faut que tu fasses un kill. Hein. Tu te débrouilles. Fais un kill. Comme tu veux, mais tu vas nous tuer. Je vais tuer le prêtre. La boucle sera bouclée.
qui m'a contaminé, qui a touché nos enfants, voilà. Qui a touché nos enfants surtout. Donc regardez sa vie, hein, là il plante, il cloue le bois, petit coupe du bois, petit voilà, là il tue quelqu'un, sa vie, hein. Sa vie. Sa mère aussi apparemment. Il m'a tué. Vous avez vu la différence de lumière, de couleur, de jeu de couleurs avec la pluie, c'est assez saisissant, je trouve. Ouais, c'est la carte qu'on vous a montré tout à l'heure, maintenant elle est sous l'orage. Il est temps d'arrêter, tu te fais humilier là. Non, mais de toute façon, je joue pas en fait, c'est pour d'accord. Ça, je veux je que marche. Tu tues quelqu'un, moi, je veux que tu Ouais, mais bon, là j'ai dit que j'arrêtais la partie, donc je suis plutôt concentré. D'accord. On se rattrapera après alors. Allez, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite pays sur le multi. Nous, comme vous avez pu le voir dans les commentaires, hein, le jeu nous enthousiasme à merveille. Genre, moi, c'est quelque chose que je. Genre, c'est pour moi l'un des meilleurs multi sur console. Oui, j'aime bien tout ce qui est Battlefield Bad Company 2. Là, etc. C'est frais, quoi, tu vois. Moi, je trouve que ça change des FPS, des bam bam bam, des tirs mitraillettes et des fusils à pompe. C'est vrai. Là, c'est. T'as une masse, t'as un couteau et tu flingues. Et il y a cette pression de chasseur-chassé permanent où à tout moment, tu peux être le. Voilà, j'ai deux personnes sur moi et je dois chercher un mec qui a deux personnes sur lui. Donc, tu vois, c'est quand même pas mal. C'est vrai que c'est très marrant. C'est frais aussi. Puis voilà, c'est renouvelé avec cette 8 cartes. Très intéressante. Voilà. Donc voilà, on vous donne rendez-vous donc à demain. Et après-demain, ce sera les vidéos spéciales Halloween qu'on a. Avait décidé de faire, donc ouais. Normalement à son fait, hein, si tout va bien. À peu près, ouais. Et elles seront postées. Donc voilà, pour cette semaine de vacances de Toussaint, je pense que... Plutôt chargé, hein. Il y a eu du contenu, on va dire. Il y a eu du complet, il y a eu de l'exclusif, effectivement. Allez, on vous dit à bientôt, alors. Voilà, merci, au revoir. Au revoir.